Là, il y a Alain Lorieux qui déboule à 10 000. Il y va tellement à plein pot que Campez se dit, ce type, il va me détruire. Pour moi, c'est ancré dans ma tête. Je me vois foncer et prendre cette balle et aller au milieu des perches. Et Campez à vide, il me rentre dedans, je m'explose par terre, j'ai les bras en croix. Il réussit à faire suffisamment peur à Campez pour qu'il ne prenne pas le ballon. Le coup de pied de recentrage de Lagisqué. Au point de chute, Campez fait une faute grave. Lorieux est arrivé comme un fou. Comme un poulet de canon avec Kerbani, Andar qui prend une balle acrobatiquement. Et là, on revoit encore Lagisqué, Rodriguez, Charvet qui redonne à l'intérieur. On redonne du grand côté sur l'ailier Lagisqué. Lagisqué qui va donner à qui? Eh bien, à Rodriguez toujours, qui donne à Blanco. Et là, c'est la course vers le bonheur. Blanco, rien ne l'arrêtera. Et c'est laissé. Ah, qu'il est né sous une bonne étoile, Daniel Dubroca, le capitaine du 15 de France. Il avait battu les All Blacks chez eux. Il a réussi le grand chelem comme capitaine de l'équipe de France cette année. Et il bat les Wallabies chez eux. Ce n'était pas arrivé depuis encore. Et Charvet, qui fait une faute avec deux gars. Mais heureusement qu'il a gardé la balle, qui a permis un grand renversement sur ce Lagisqué. Excellent. Qui met deux gars dans le banc, qui redonne la balle à Lionel, contré. Et c'est encore Rodriguez qui est là. Et qui offre la balle de la finale à Serge Blanco. Allez. C'est la finale, les Blacks chez eux. Et puis il y a ce AK, et puis là, à un moment donné, c'est vrai quoi. Tu es dans un autre monde et tu te dis, mais attends, ces mecs, qu'est-ce qu'ils me font? Ils font un peu des gestes et tout. Et... des gueules qui méritaient le respect sur le terrain. Le mur de France. La troisième ligne doit venir aider en défense.